Monsieur le Président, les Acadiens devraient être déportés une fois, mais ce n'est pas les conservateurs qui vont les déporter une deuxième fois. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on va finir parce qu'ils vivent dans des régions ressources qui dépendent du travail saisonnier. On va se dire les vraies affaires, M. le Président. Cette réforme-là punit les travailleurs honnêtes. Puis les travailleurs honnêtes, c'est pas des bad guys, comme la ministre l'a dit. C'est du monde qui fait vivre leur famille. Même les députés conservateurs de l'Atlantique disent que cette réforme est une insulte aux travailleurs. Pourquoi la ministre sort pas de son bureau pour voir ce qui se passe sur le terrain? Je vous invite à venir à Caraquette. Je vous invite à venir à Trois-Rivières.